Salut, salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce construction pour fabriquer ce qu'on appelle une piscine hors terre. Je ne sais pas s'il y en a en Europe, en tout cas ici au Québec, il y en a beaucoup. La plupart du temps, on fait paf, une piscine, on met des échelles. C'est pas cool. Donc, aujourd'hui, je vous montre, après avoir fait votre belle maison, comment faire une belle piscine hors terre pour aménager des cours, pour faire un nouveau style à vos maisons. Tout simplement. Donc, bien sûr, vous allez faire la grandeur de piscine que vous voulez. Les piscines hors terre, honnêtement, la plupart ont comme un peu une forme d'hexagone, quoique j'en ai déjà vu des rectangulaires allongés. Il y a de tout ce qu'on veut. Donc, on va y aller au plus simple. On va se faire un bel hexagone. Voilà. Et on la forme. J'ai dit, on forme une belle hexagone, tout simplement. Et voilà. Vous allez voir, c'est très, très, très simple. Et voilà. Donc, ma piscine est formée. Donc, en temps normal, bon, on mettrait l'escalier et tout ça. Mais comme j'ai dit, on veut une piscine hors terre. Donc, elle doit être hors la terre. Ben oui. Donc, avec la nouvelle fonction pour les fondations qui fait en sorte que quand le bâtiment est pas collé à l'autre, parce qu'ici, ma maison est déjà montée à une certaine hauteur. Ce qui est le fun, c'est que comme elle n'est pas collée, je peux reprendre la flèche du milieu et la monter à la hauteur que je veux. Donc, c'est environ une pas pire hauteur. Si je la trouve trop haute, je peux un peu la redescendre. Mais non, jamais bien comme j'étais. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir même donner dans les fondations un lissage sur le côté pour donner du style. La plupart du temps, chez nous, par chez nous, dans mon petit coin de pays, c'est toujours comme des lattes sur le côté, que ça soit la couleur que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Puis ensuite, on va venir mettre une échelle. En temps normal, les piscines hors terre, c'est pas des escaliers, c'est vraiment des échelles. Mais là, pour le besoin de la course, on va commencer avec une échelle. Pas une échelle, voyons, des escaliers. Vous voyez, je suis toute trompée. Donc, on prend encore là le modèle qui nous tente. La plupart du temps, nous, autour d'une piscine hors terre, on appelle ça un deck. Dans le fond, c'est comme une petite plateforme en bois proche de la piscine qui nous permet de monter sur le deck, mettre nos serviettes, puis après ça, sauter dans l'eau. Puis en même temps, la plupart du temps, on remonte l'échelle, puis hop, on peut accéder au deck. Pas de noyade, tout ça. On veut pas des Sims noyés. Bon, assez fait sur la leçon protection. Donc, on va prendre ceci parce que ça va dans mon style. Et je viens juste la poser sur le côté. Elle arrive à la bonne hauteur. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller dans la section où est-ce qu'on peut faire les murs puis les sous-sols. Et venez chercher le carré plat, tout simplement. Et vous voyez, il s'est collé, il a monté tout de suite à la bonne hauteur. Donc, vous allez pouvoir faire un deck de la grandeur que vous voulez. C'est bien rare que ça fait un 360, là, mais si ça vous tente, faites un 360. C'est à votre guise. Je vais juste arranger. J'aime pas ça quand c'est pas parfait. Comprenez-vous? Donc, peut-être l'agrandir un peu par là. Et voilà. Ensuite, pour l'agrémenter encore plus, on va lui mettre une clôture de protection parce que les gens sur le deck, on veut pas qu'ils saquent son camp en bas. Non. C'est très dangereux. On veut pas ça. Donc, on peut y aller encore là avec un style n'importe quoi. J'ai pris la première petite clôture qui vient, mais on pourrait y aller avec vraiment tellement d'autres choses, tu sais, plus tropicales ou même quelque chose un peu plus moderne, fashion, tu sais, en vitre, quoi, que je trouve que c'est très dangereux. Mais bon, admettons que je choisis ça. Puis, je peux aussi mettre de la fondation en dessous du deck. Techniquement, moi, si ça serait moi, je mettrais des pilots parce que c'est pas mal souvent tenu par des pics, pas des pics, là, mais des 4x4 de bois. Donc, mais là, ils veulent pas parce que les pilotis et les piscines, ils font pas bon ami dans les Sims. Donc, comme on peut pas, si vous avez le jeu Heure de gloire, il y a toujours les fondations de scène qui pourraient passé. C'est pas super chic comme je le voudrais. Sinon, vous pouvez juste continuer la même couleur que la piscine sans problème. C'est à vous de voir.
une fois faite, là, vous voyez venir la création. Tout est en train de se créer. Vous lui trouvez un beau petit plancher. Parce que Dieu sait qu'on aime ça. Un beau petit plancher. Un beau petit plancher de bois, c'est encore mieux. Alors, mettons du plancher de bois. Et on peut tout simplement, après ça, placer aussi nos chaises longues pour se faire griller. Et voilà, maintenant, je prends ce sublime modèle. Et voilà, une là, une là. Là, je vous vois venir. Ouais, mais là, il n'y a pas grand place, là. C'est normal. C'est bien rare qu'un deck, c'est grand et que ça a bien de la place pour mettre 3 millions d'accessoires. Puis encore là, ma piscine est petite, mais tu sais, j'aurais pu la faire beaucoup plus grande. Et voilà. Tiens, une belle grosse piscine. Mais on a assez de place pour venir poser l'échelle. Tu sais, la fameuse échelle, là. Que si vous n'avez pas, ben, vous êtes des cruels. Et on a encore une place si vous voulez absolument avoir un plongeoir. C'est sûr que là, il bloquerait l'échelle. Donc, il faudrait changer l'échelle de place, qui est tout à fait faisable. Puis ici, ma jolie. Tiens, on pourrait l'envoyer là. Agrandir la clôture et avoir de l'espace pour pouvoir mettre le plongeoir, tout simplement. Et voilà, c'est tout simple que ça de faire une piscine hors terre. C'est pas compliqué, c'est plutôt facile. Puis vraiment, on peut en faire de toutes les dimensions et les styles possibles. Parce qu'encore là, après ça, tu sais, on met le filtreur de fond, on peut mettre des bulles, on peut mettre les décos, on peut mettre... Ah, moi, faut toujours que je mette une pointe de pizza. Ta-da-da-da. Après ça, c'est la même chose que la piscine dans ça, c'est juste qu'elle est hors de la terre. Pratique comme nous, ouais. Donc, empêchez-vous pas de créer ce format de piscine-là. C'est plutôt agréable. Ça met du relief dans votre cour parce que la plupart du temps, tout est plat au sol, plat au sol, plat au sol. Donc, avec une piscine hors terre, ça remonte le relief de votre cours. C'est sûr qu'aussi, en plus, si vous voulez faire full protection pour pas que les enfants y aillent, on peut sacrer une petite porte et voilà, quand c'est le soir, vous la bloquez pour toutes les Sims. Fait qu'aucun Sims peut aller se baigner la nuit. Ce qui est quand même plutôt pratique quand c'est l'hiver, vous la bloquez au complet, puis aucun Sims qui va aller se baigner. Donc, pas de Sims morts gelés, c'est pas fantastique la vie. Ah, les plaisirs de la baignade hivernale. Donc, voyez-vous, facile, beau, esthétique. Ben, c'est sûr que là, il a été fait un peu vite, pardonnez-moi. Mais plutôt pratique. Donc, c'était ma petite astuce piscine hors terre. Donc, partagez la vidéo, faites-vous plaisir. Partagez-la aussi dans la galerie. On veut voir des maisons avec de belles piscines hors terre. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye-bye!